On est sur Cry, le matchup Sakrieka. Leka qui prend l'initiative. Alors, on n'a pas d'Aztec ni d'Arcadie pour Guinjo. On a un bouclier Terdala et de grosses restes neutres avec un familier neutre. Ok, ça commence par du spam récop. 3 sur 3 pour le moment. Et 4 sur 4. Voilà, Octa midlife, DLT1 pour un sacrieur, ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, du coup, on est en 16-7 des deux côtés. Ah, le C-Chati. Du coup, Chati agit spiriosé. Il reste 4 PA pour poser peut-être une épée volante ou un chaffeur. Ce sera plutôt une cabotte pour se protéger. Et Grimjo plus 6 à la portée. Si on trouve une ligne de vue, on va pouvoir continuer le spam récop. Alors l'odora qui nous donne 0 PA, 0 PM. Bon, au moins, il est pas négatif. C'est toujours ça. Et la cabotte qui tombe, on fait quelques dégâts au sécrier au passage. Et là du coup Grimjo qui stack sa roulette portée, du coup ça va être compliqué pour Octa d'éviter les récops au prochain tour. Du coup on va forcer le combat au corps à corps a priori. Peut-être une baguette sur Octa, non. On envoie l'épée et on vient mettre une punition. Et 48% de reste neutre hein, sur les cas. Donc forcément la punie n'est pas incroyable. Allez, roulette agit. Des marteaux et on vient taper à Lugarto. Lugarto qui n'est plus trop à la mode hein, depuis les nouveaux stuff. Et pourtant, c'est une arme vraiment excellente en PvP. Il peut faire de lourds dégâts et surtout qui est à une main. Bon, c'est un peu le cas de la Lopo également. Je vais mettre de lourds dégâts là sur Grimjo. Mais du coup, pas de dérobade. Bon, après la dérobade contre un marteau, ça ne sert pas à grand chose. Est-ce que Grimjo ne pourrait pas trouver le kill là? Un peu moins de 1500 HP sur ce sacri. 32% de res neutre. Une roulette chance. Ok, ça vient jouer bluff. Ok, des gros dégâts. Ok. Pas celui-ci. Un gros coup d'Ugarto ou un récop si on a peur. Et on va plutôt préférer ce chance des cas, le contre-coup. Et du coup, je pense que là, pour Octa, il faut tenter. Il faut taper. Ok. Pour l'instant, c'est pas terrible. Ok, ça, c'est pas mal. Un coup de l'opus, non, ça ne passe pas. Ah, si c'était inversé, les deux lignes, c'était bon. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Grimjo qui va se debuff. Est-ce qu'il peut finir en étant debuff? Bon, je pense que oui. Ok, il y va au bluff. Attention! À 300 HP, il reste 4 PA. On va mettre un récop qui ne passe pas! Qui ne passe pas, et Grimjo, c'est des buffs la chance! On va pouvoir terminer pour Octa, GG. On est sur Eratz, matchup Ekakra. C'est Conan qui prend l'initiative. Alors, l'XP qui est posé. La punie également, du retrait PM et l'œil de taupe qui va suivre. C'est un classique pour un Kra, surtout contre un Eka Flip. Ah, l'Eka il aime pas l'étape pesanteur, il aime pas ça du tout, surtout si on lui retire des PM en plus. Par contre, l'Odora qui me semble assez incroyable. Ah non, moins 4, ok. Finalement c'est du plus 1, plus 1, ça reste correct. Le Doppel qui est envoyé, il peut taper, donc il va pas roulette. Et le chaton qui peut aller taper lui aussi. Alors, quelques dégâts quand même posés par le chaton Conan. Il va du coup essayer de se débarrasser de ce chaton. On lui vole un PM. Une deuxième flèche d'Imo pour s'en débarrasser. On vient chercher la ligne. Imo qui ne passe pas. Pourtant, on a beaucoup plus d'esquive d'outils de Conan. 112% à 92. On va se rabattre sur la cinglante. Il reste 7 PA. Une flèche de recul. Et une belle percée avec la maîtrise de l'arc. Ça fait toujours quelques dégâts. Le Juria qui est à la steak. Cette fois, on retrouve l'utilisation du bon du félin. On va se chance déjà. Et ouais, le Juria est déjà midlife. Ça va vite.
Alors on vient tenter du récop, 1 sur 2. Oh, roulette force pour Conan. On a la relance punie. Bon, en vrai, même sur la roulette force, avec la chance des cas, si ça passe, ça passe. Ok, du coup, on va l'utiliser sur le double EK. On va essayer de s'en débarrasser. Ouais, Conan, a priori, qui n'a pas envie de jouer la chance. Alors, une flèche de recul. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas les PA pour une flèche empoisonnée. Roulette force. Allez, Ujuria, là, c'est la dernière chance. Hein. On va mettre un coup d'Aztec, un deuxième. Ça ne passera pas, mais on va faire énormément de dégâts. Après, on se régène un peu, du coup, avec ses coups d'Aztec. On peut plus se contenter d'une flèche empoisonnée pour Conan. Il va falloir la jouer. Ok, bon. C'est réglé. La flèche de recul qui fait à nouveau des dégâts. Et ça kill GG. Et on est sur Boon Matchup et Nusadi. Et c'est l'élu qui prend l'initiative. On arrive à poser la corruption dès le T1 sans utiliser l'accélération. Alors, pas de bouclier, mais ok, c'est une terelle. Vivez-vous de grosses caisses de feu air. Terelle feu d'ailleurs, hein, sur le Lénutroph. On pose l'appel animé pour repousser un peu le sacri sur le coin de la map. Et du coup, ouais. Bon, les dégâts sont quand même énormément réduits par les raises du Sadi. 50% feu, 50% air, ça va être compliqué de le tomber. Alors, peut-être un sacrifice poupesque sur cette pelle animée pour retrouver un peu de points de vie. On va aller chercher certainement le poison para sur les nus. Après, il y a une clé réductrice, donc ouais, compliqué d'aller chercher le poison para. On essaie de se cacher derrière cet arbre, on pose des invocations, il reste 3 PA encore. Peut-être envoyer une simple folle. Et ce serait une bloqueuse finalement. Et alors, on va voir combien de PM va perdre cette tenue. Ouh, 3 PM de perdu. Et en plus, la maladresse a été utilisée avant la bouture. Alors, il faut absolument tuer cette gonflable. On cherche la ligne de vue. Là, normalement, on l'a. Ah, on cherchait plutôt la surpuis, d'accord. Du coup, c'est bien de tout tuer. Ah oui, d'accord. Grand nettoyage. Mais c'est surtout la gonflable qu'il faut tuer, voilà. Sinon, ça part en puissance sylvestre. Bon, après, c'est un ennemi, il peut la débuff, bien sûr. Alors, du coup, plus aucune invocation sur cette map, enfin, du côté du Sadi. On va prendre la zone avec le sac animé pour envoyer une herbe folle. Peut-être envoyer encore un sacrifice poupesque sur cette pelle animée qui peut être gênante. On va plutôt envoyer le Doppel Sadi avec la connaissance des poupées qui va être assez gênant pour cette énu. Après, on a vu, les désinvocations peuvent monter très très haut. Prise des épées pour Biviru, certainement une Lopo. Et le Doppel qui invoque de manière très intelligente. On vient bloquer cet élutrophe qui va être forcé de tuer cette bloqueuse. Ok, une des invocations plus un coup de baguette. Et on tombe ce Doppel. Et on est plutôt content de l'échange hein, pour les nus. Débarrasser du Doppel aussi facilement. Ça lui a coûté 10 PA. Mais vu qu'on a posé la connaissance des poupées dessus, ça a coûté autant de PA pour Viviru et ces deux CD qui partent. Alors une herbe folle. On a enfin la portée pour un poison para. Et on vient restreindre les mouvements de cet énu qui venait de s'accélérer.
On se protège avec la kawotte plus la puissance sylvestre. Pour essayer de la debuff, ça ne passe pas. Toujours pas, 8 PA déjà utilisés. Et du coup, on va abandonner, a priori. Des critiques, on peut tenter le chauffeur et ça va passer. Alors attention, hein, parce que le poison para fait des dégâts. Si en plus on rajoute des cupidités, ça peut être assez compliqué à gérer. Et le chauffeur, malheureusement, qui fait grève. Pas de PA pour le moment. On vient chercher la diagonale, a priori, pour Vivirou. On veut se debuff. Et on vient chercher du dégât. Au feu de brousse. On est tour 6. C'est la relance de la corruption. Et du coup, on s'est peut-être un peu mal placé là pour le Sadi. En passant ici, Lénu aura la ligne de vue. Oh, il préfère passer par là et tuer l'arbre. Ok. Allez, corruption. Bon, du coup, même sans cupidité, vu que c'est un Nénu-feu, ça soigne quand même beaucoup cette corrup. Attention, hein, parce que même si la corruption ça permet de jouer deux fois, on prend quand même deux fois le poison para. Alors après, ouais, il l'a encore, il l'a encore. Donc c'est pas non plus sans aucune contrepartie pour les nus. Et maîtrise des baguettes. Oh le sécac! Oh le sécac qui est assez terrible. Par contre, on a utilisé la. La ronce insolente un peu tard ou un peu tôt, ça dépend. Parce que là, on vient de retrouver la clé réductrice pardon, pour les nus. Et du coup, on n'a plus de ronce insolente pour Vivirou. Allez, on replace du poison, on se soigne également. Ouais, on est bien devant en termes de points de vie là pour le Sadi. On n'arrive pas à trouver de dégâts pour les nus, il y a trop de raise. Et on vient chercher des coups de fuchsia. Il y a du 400 à la fuchsia, un peu plus, c'est pas mal. Alors, Damadris, on va libérer ce Sadi, pardon, pour tuer la surpuis. On tape, mais difficilement on arrive à dépasser les 100 dégâts sur une ligne. Alors la ligne pour Vivirou, on vient chercher une ronce agressive. Et la ronce apaisante qui est de retour. Ah par contre, l'herbe folle après la ronce apaisante, c'est dommage. Du coup, on ne perd aucun PM pour les nus. Allez, on se debuff. Du coup, c'est pas mal. On récupère les PM et la retraite qui est passée sur le Sadi. Ah, encore un ECK, décidément déjà. On a du mal à trouver des dégâts. Et là, c'est le deuxième ECK du combat pour les nus. Évidemment, Vivirou qui a récupéré la ronce insolente, on va se debuff cette retraite. Et ça veut aller chercher des coups d'épée. Ça tape, hein. Ça tape. Avec une sacrifiée en plus, c'est un tour avec quelques dégâts, là. 590 HP pour les nus. Allez, on tue cette pelle animée. A priori, on n'a plus d'invoque. Ah, il nous fallait une invoque de plus pour le sac animé. Alors, il y a la zone herbe folle qui est un peu gratuite. Même carrément une ronce multiple.
Alors, il y a la relance de la corruption. Mais ça soigne beaucoup. Et encore, il n'y a pas de... Il n'y a pas de corrup... Il n'y a pas de cupi, pardon. Désolé pour le perco. Le problème, c'est que on n'arrive pas à compenser les soins de la corruption avec un coup de baguette. Forcément, c'est pas si rentable que ça. Allez, la boîte de Pandore qui donne des critiques. Non, non. Là, par contre, c'est vraiment pas de chance. C'est quand même terrible, c'est le troisième CKAC. Et normalement, on devrait peut-être trouver le kill là pour le Sadi. Si on arrive à avoir un bon sur une ronce aggro. Ah mais il y a le... Oh, ok, j'ai totalement oublié le sac animé, excusez-moi. En vrai, avec une ronce aggro crit, ça peut quand même passer. Ok, on va pas la tenter. Juste du dégât au feu de brousse. Le poison para. Il n'y a qu'un seul poison para, donc on devrait pas se tuer avec le poison. Et ça continue de jouer pour cet ennemi. Mais là, rien qu'avec le poison para, on a tant de tours et il n'y a pas vraiment d'issue. Ah, l'appel animé qui ramène le Sadi. On peut peut-être trouver une ronce multi. Peut-être qu'on a la portée pour une herbe folle. Ah, ça paraît loin quand même. Ça paraît très loin. Et encore la clé réductrice. Mais on va se debuff. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah, l'herbe folle. Très belle portée. Et c'est pas GG. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Vous pouvez également laisser un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même soutenir la chaîne totalement gratuitement en téléchargeant OperaGX avec le lien dans la description. OperaGX, c'est tout simplement un navigateur spécialisé pour les joueurs. C'est celui que j'utilise personnellement et il est vraiment cool. Donc voilà, vous pouvez le télécharger totalement gratuitement pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve comme d'habitude demain à 16h pour la prochaine vidéo PVP, salut !